mutakonseye bazazi mutawapatia mbitoto kani juu baba peleki batoto abo kuma examen na baiweze kufin de l'année parce que bazazi ba mingi banafanya kai periodi juu bana samtoto kuya kaka ye ikala hapa mrufunda nini olia kwanza depuis commencer ya masomo. Monsieur, bienvenue. Quel conseil vous pouvez donner peut-être aux parents pour vraiment que les parents commencent à bien faire le suivi des enfants. Imi wakati ya karibu na examen. D'accord. Asante sana kwa swali. Ntasema nini parce que avenir ya kesho ni mpaka bale batoto betu. Ndio maana il faut tu prendre soin nabo. Na tuendeleshe majifunzo yapo. Majifunzo yapo njo mpaka ile yenyewe unatoka kusema wakati balianza masomo na mpaka leo pale kwenye banafikia. Donc il faut tupate kwa kupata resultat ya mzuri. Ni collaboration ya ba mwalimu donc bale ba responsable ya kule ku masomo na bazazi. Donc suivi njo kwa conclusion yenye naezo leta pale kwa leta tu resultat ya mzuri ni suivi surtout ku bazazi na ku ba educateur nabo. Voilà papa Kim. OK, merci sana. Na mishauri yangu ya mwisho. Ma, pasa uri ya mwisho. Ni conseil tumbele tukigariki. Conseil donc mimi naomba bazazi baoneshe na kushauria watoto mafaa ya masomo. Quand on a dit que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu a fois de suivi a oublié mon ami pourquoi pas c'est ma mingi tout le monde tourne à propos de votre poète avant que t'as mon ami pas seulement que bon pasteur à ta école formelle voilà mais la mamie mina penda m'aurait ça conseil il y a balé bas tout le monde sixième primaire dû à sélectif bah à pas imitant balé bas tout le monde à fanny à nini jo bah fanny sélectif n'a pas passé ma point à mouzouri bengué mou ku école secondaire. Ndiyo, donc, chie, tuko pamoja, mbisa deja, mwanzo, tunasema, rattrapage scolaire, ni sous-secteur. C'est en général, aina ya paka ku nani, ku bon pasteur, tunasema masomo yote sasa, hapa tunasamezea, tunasaidiana batoto bote sasa, mamkoloezi. Uweko kwa batoto, ifo mbele ule mwalimu wa sixième, erdone sana, aishe programi. Uisha programi? Iyo wakati kuba marumba le baisha programi. Ha, beku wako. Beku wako. Mais là, quand mwalimu anashindwa kuisha programu, batakuuliza ma question ile mashapitre mwalimu asiexplique, déjà ne crée déjà échec. Il faut que vous posiez donc mwalimu wa sixième afundishe aishe programu yote mujimu. Maintenant pour les enfants, quel conseil? Ah, batoto nabo donc baache kulofu. Kama mtoto anakui donc mtoto kama iko régulier, iko déjà na 50% ya réussite. Malgré bariti. Malgré bariti. Oui, monsieur, bienvenue. Voilà, ntaongezea na mtu kaloko pale parce que baswahili balisemaka ke mtumbu inaangukaka karibu na kuvuka. Ndio maana na batoto na bazazi chie bote tukankamani parce que vile bote tunakaribia kumwisho tubebe tu resultat ya mzuri. Na kubeba resultat ya mzuri ni kubamba ma précaution. Endelea kureviser makuru yako, kusoma, mwalimu fanya nguvu ishilia programu mpaka vile superviseur wetu anatoka kutuonesha na tutafikia tu kwa kupata maresulta ya mzuri. Njo kidogo kwenye nipenda kuongeza hivi. Voilà, sababu ni sensibilisation, tunafanya sensibilisation ku community. Mimi napenda kuambia batoto bali banatufuata wakati tujiweke kwa masomo. Sababu kama leo shie tuko ku plateau ya Malkia Michu tukifunda masomo. Na masomo haina vraiment shindano, ishikwe shindano ku bamwe batoto. Donc tunapaswa kupenda masomo, tunapaswa kujifunza sana sana. Kama wewe unaangalia sema ha mimi hapa nilifunda mbaya kwa mwanzo ane, ujiforce tawa kwa mwisho ufanye uwezi.
Tesa ta kwenda ko na kuma kuma première deuxième secondaire parce que première deuxième secondaire kingari batoto na ko akoya kwa muntu wa 18 ans na bo bangari batoto parce que chez émission et tout ni protection de l'enfant atawa wa tufuata kuma première deuxième troisième secondaire ayanisha 18 ans ingari ki mutoto ujikaze beba courage funda masomo kama makaya yako iko incomplete jose ya ku compléter makaye na kujifunza na kusoma sana Mungu atakusaidia, utaweza masomo. Dernièrement, papa Hakim, na utalamkia watu wawili. Okay. Shauri kiloko na utalamkia watu wawili. Shauri kiloko, atuka, mimi na liyaka sana, mtu ya nipilemwa kama mtu tupa angofu. Ni susi sana, kusikia mina yuwa, importansi ya masomo. Sepuka, yudio mpilecha kwa nasimasema, na mimi na romba paka ile presence ya masomo, watoto bakwende masomo, kusikia ni aveniri ya kesho. Kama unafunda ni sikse ya unaona sikse ya unaprepare ya tenia hautakuwa kesho mtu wa kulomba lomba ndio ifo kufunda masomo njo kesho ushukue mtu wa kulomba lomba salue de personne voilà j'ai salué mon petit frère Tony Mwamba ile j'ai salué aussi maman Mimi la cuisinière amono ki madame Ça, c'est l'injustice. Ah, malheureusement, je ne sais pas qu'elle est comme ça. Voilà. Monsieur, bienvenue. Ok. Asante, asante sana. Tunafika mwisho wa emisio yetu. Et conseil qui l'a connu, tu n'as pas choleta tout parle. Parce que nyimbo de jeune, tu... Inatonesha mingi. Wakati tu napata nyimbo ya uki jana uki kwa naimba pale. Inasynthetize bitu biote. Tupele ke batoto kumasomo. Parce que njo... avenir yetu ya kesho mambo mingi ya kusema muda njo iko kidogo njo maana tunalamukia kwanza ba finaliste yote ya Mulualaba bale benye batafanya examen selectif ba ifanye na bapate ufanikio waweze na tunaendelea pia kulamukia wastafe wote wa bon pasteur surtout cuisinière wetu mwenye atufaisha kama sauce ya mzuri sana kule kwetu iko anatufuata tunamsalimia sana bayo merci beaucoup chers auditeurs et auditrices de la 89.0 c'était dans votre émission parlons protection nous disons merci beaucoup à la coordination de papa Cheche Chikal nous disons merci à la supervision de papa Mutombo Chrysostom nous disons merci à la réalisation et programmation de monsieur Yves Kailou À la présentation, c'était votre humble serviteur, M. Kyungo Kibule John. Nous disons merci et à la prochaine.